Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture dans lequel je vais me faire une joie de vous parler de mes 4 derniers livres lus. Au programme de cet update lecture, je vous donnerai d'abord mon avis sur le second tome de la série Lux. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé du livre Débutante. Je vous dirai également ce que j'ai pensé de Demain, il sera trop tard. Puis je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur le tome 2 de la série, Le Manoir. Je commence donc avec le second tome de la série Lux, écrit par Jennifer L. Armentrout et publié en format semi-poche aux éditions J'ai lu. Ce livre, je l'ai tiré au sort dans ma saga Bookjar début novembre et je l'ai lu simplement à la mi-décembre, donc il s'est passé beaucoup de temps avant que je réussisse à me caser la lecture de ce livre, mais il s'est passé encore plus de temps entre ma lecture du premier tome et ma lecture du second. En effet, il s'est passé 3 ans avant que je réussisse à avoir enfin l'opportunité de lire cette suite, mais j'étais pas vraiment inquiète en commençant ma lecture parce que curieusement je gardais encore en tête énormément de souvenirs des événements qui s'étaient passés dans le premier tome. Et il faut dire que Jennifer L. Armentrout est une auteure que j'apprécie beaucoup, que je suis à la fois dans cette série fantastique mais également dans sa série de romances contemporaines, jeu de patience, jeu d'indulgence, etc. J'étais donc heureuse de pouvoir retrouver sa plume et je ne suis absolument pas déçue de cette lecture à laquelle j'ai mis la note de 4 sur 5. Concernant le contenu de cette histoire, j'apprécie pas des masses dévoiler quoi que ce soit concernant la mythologie inventée par l'auteur parce que je la trouve tellement particulière et tellement bien pensée que j'apprécierais vraiment que vous puissiez la découvrir à votre tour en vous plongeant dans la lecture du premier tome, donc je ne vous spoilerai absolument pas. Je vous dirai simplement que depuis que Damon a soigné Cathy, cette dernière possède désormais certains pouvoirs surnaturels. Ces pouvoirs se manifestent surtout lorsqu'elle est soumise à de fortes émotions et dans ce tome 2, elle va essayer de faire son maximum pour pouvoir les contrôler au mieux. Alors je mets toujours de très bonnes notes au tome de cette série. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est vrai qu'en toute objectivité, c'est une histoire qui pourtant est assez simple, qui s'adresse plutôt aux adolescents et dans laquelle on retrouve le schéma classique du triangle amoureux, du je t'aime, moi non plus. Et en dépit de la présence de tous ces codes relatifs à ce genre-là, je suis tombée une fois de plus sous le charme. Ça fonctionne particulièrement bien avec moi, l'univers ne cesse de me passionner, j'ai été vraiment happée par tout ce qu'on peut apprendre de nouveau. On a une intrigue qui est une nouvelle fois palpitante avec des rebondissements qui s'enchaînent vraiment sans temps mort. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde dans cette lecture et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Tout n'est pas hyper prévisible puisque j'ai eu quelques surprises en cours de lecture. Et en ce qui concerne les personnages, j'ai particulièrement apprécié Damon. Il a beaucoup changé depuis le premier tome où il s'était vraiment révélé être une tête à claque égocentrique, un petit peu imbu de sa personne et imbuvable. Là, il se montre plus attentif, plus loyal, et il montre vraiment une autre facette de sa personnalité qui sonne plus juste, plus vraie. Quant à Cathy, elle m'est vraiment toujours aussi sympathique. Alors je pense que c'est en partie lié au fait que l'auteur nous plonge dans son quotidien de blogueuse, de booktubeuse qui reçoit des services presse qu'elle va chercher à la poste, qui dès qu'elle a 5 minutes se précipite pour plonger le nez dans un de ses bouquins, qui essaie également de faire des vidéos avec Damon à côté d'elle. Voilà, c'est tout un pan de sa personnalité que j'apprécie énormément. Donc en résumé, ça a été une lecture pour moi facile, sans prise de tête, vraiment divertissante et j'espère vivement ne pas avoir à attendre encore 3 ans avant de réussir à lire le tome 3. J'ai ensuite enchaîné avec une super lecture écrite à 4 mains par Jonah, Lisa Dyer et Stéphane Dyer. Il s'agit de Débutante qui m'a été envoyée par la maison d'édition Hugo Roman et il s'agit d'un livre qui est sorti dans leur collection New Way. Alors c'est une lecture qui m'a accompagnée sur les 550 km de voiture que j'ai passé à l'arrière de ma petite C2 et qui m'ont ramenée en région parisienne à la fin des vacances sur la période de Noël. Et ça m'a fait vraiment passer un super moment de lecture, du coup je me suis pas ennuyée une seule seconde pendant mon trajet. L'héroïne de cette histoire s'appelle Megan, elle a 20 ans, elle vit en colocation avec sa sœur jumelle et sa passion dans la vie c'est faire du foot, voilà, elle est vraiment une joueuse talentueuse. Elle est un petit peu garçon manqué, elle se soucie pas trop de son apparence, au contraire de sa sœur, et ça va être pour elle la douche froide lorsqu'elle va apprendre que sa mère l'a inscrite à la saison des débutantes et qu'elle a été retenue. Les débutantes, c'est un milieu assez élitiste qui permet de faire son entrée dans la bonne société. Au départ, Megan va refuser tout net de se lancer dans cette aventure-là,
mais de fil en aiguille, elle va se retrouver obligée d'accepter et de jouer le jeu. Alors ce livre, ce qui est assez intéressant et amusant de savoir, c'est que c'est une réécriture de Orgueil et préjugés écrit par Jane Austen. Personnellement, ce livre a beau être un classique de la littérature, je ne l'ai pas lu et je ne compte pas le lire. Je n'ai donc pas pu percevoir les ressemblances, à mon avis certaines, entre ce livre et Orgueil et préjugés, mais je trouve ça quand même amusant de le signaler. En tout cas, c'est typiquement le genre d'histoire, donc le vilain petit canard qui finit sans trop de surprise par se transformer en un beau et gracieux cygne, que j'adore découvrir. C'est une histoire qui est très visuelle et en ça j'ai vraiment apprécié la plume des deux auteurs. C'est pleinement divertissant, c'est pleinement amusant. Je vous raconte pas le nombre de gloussements que j'ai pu pousser dans ma voiture à la lecture de ce livre. Je me suis vraiment vraiment bien amusée. J'ai adoré le personnage de Megan qui compense clairement son manque de grâce par une volonté à toute épreuve, par beaucoup de courage également et par un sacré sens de l'humour. Alors parfois elle manque un petit peu de discernement et de spontanéité, mais il n'en reste que son évolution tout au long du livre a été assez exemplaire. Je suis ressortie totalement convaincue par ce roman feel good et sans prise de tête qui m'a vraiment mis de bonne humeur et auquel j'ai accordé la note de 5 sur 5, donc la note maximale, c'est pas passé loin du coup de cœur d'ailleurs. J'ai bien conscience qu'il y a des défauts dans cette histoire, j'ai bien conscience que c'est loin d'être parfait, c'est un petit peu prévisible et même carrément prévisible sur les bords. Maintenant, je sais pas, au moment où je l'ai lu, c'est vraiment passé crème et je ne doute pas une seule seconde que d'ici quelques temps j'aurai très envie de relire à nouveau ce roman avec un plaisir vraiment intact. Je me suis ensuite plongée dans une dystopie, j'étais bien contente que ce soit le cas parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce genre de livre. Il s'agit de Demain, il sera trop tard, écrit par Jean-Christophe Tixier qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Rajo. Dans cette histoire, la mort n'est plus un mystère dans le sens où chacun connaît la date de son décès, donc la date de son terme, dès sa naissance. Et la population se divise justement en fonction de sa durée de vie. On a d'un côté les courts termes, de l'autre les moyens termes et encore de l'autre les longs termes. Et toutes ces personnes-là ne se côtoient pas et ne se mélangent pas entre elles. Et en fonction de la durée de son terme, et bah, plus on a une espérance de vie longue et plus on a droit à des avantages sociaux tels que l'éducation, tels que le salaire et tels que l'accès aux loisirs. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages selon plusieurs points de vue, mais le personnage principal reste Virgile. C'est un long terme, c'est un 87 pour être précise, et son monde va s'écrouler du jour au lendemain puisqu'il a toujours su qu'il était un 87, mais il va découvrir que suite à une inversion de terme, il est en réalité un court et pas un long terme. Du coup, bah, tous ses avantages vont s'effacer du jour au lendemain, il va être poursuivi par la brigade du terme, il va tout faire pour leur échapper, et ça va être une espèce de course-poursuite comme ça, un petit peu haletante, sous fond de révolte. Alors j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, pour moi il y a vraiment du bien et du moins bien. Dans le bien, c'est clairement l'idée de base de cette histoire que je trouve absolument folle, absolument originale, j'avais encore jamais rien lu de tel. Au-delà de ça, c'est un roman vraiment percutant et très actuel puisqu'il insiste beaucoup sur l'utilisation des sigles, des logos, des marques, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment moderne. Et maintenant, ce qui m'a pas plu, sont vraiment les personnages de cette histoire. J'ai pas du tout accroché à eux, j'ai pas du tout accroché à leur personnalité. J'ai trouvé que les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres manquent cruellement de crédibilité entre ceux qui sont amoureux au premier regard, ceux qui se remettent en un claquement de doigts d'un traumatisme. C'est vraiment pas crédible, mais du tout du tout. Et malheureusement, voilà, j'ai suivi ce qui se passait pour eux avec un intérêt somme toute très modéré. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Et 3 sur 5, c'est également la note que j'ai mis au dernier livre que je vous présente dans cette vidéo. Il s'agit du tome 2 du Manoir, écrit par Evelyne Brisoupelaine et sorti aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ce livre, je l'avais tiré au sort dans ma saga Boukjar en même temps que le tome 2 de Lux. Ça a été ma toute première lecture de cette année 2018 puisque je l'ai commencé, je crois, le 30 décembre et je l'ai terminé le 1er janvier. J'avais beaucoup apprécié la lecture du premier tome que j'avais trouvé assez surprenante. Je l'avais lu de mémoire
en 2015, je crois. Donc là aussi, ça commençait sacrément à remonter. J'étais très heureuse de pouvoir poursuivre cette série, puisque tout compte fait, je commence des tomes 1 à l'appel, et c'est plus rare que je réussisse à poursuivre des séries que j'arrive à en commencer. Pour vous résumer brièvement cette histoire sans trop vous en dévoiler non plus, parce que là aussi, ce serait extrêmement dommage que je vous en dise trop. Je faisais la connaissance de Liam, qui était un adolescent atteint d'un cancer, qui a été envoyé dans une maison de repos sous forme d'un manoir, un petit peu à l'image de celui représenté sur la couverture. Et ce manoir est assez étonnant puisqu'il est habité par des personnes qui vivent dans des costumes d'époque. Et Liam va se demander un petit peu ce qu'il fait là-bas, mais il va très vite s'habituer à ce nouvel environnement. Il va même se faire des amis, je pense notamment à Cléa, qui va être le personnage principal de ce tome 2. Et Cléa est une jeune fille qui s'est fait agresser il y a quelques années de ça. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre et Liam va tout faire pour réussir à retrouver son agresseur. J'ai été assez étonnée qu'on ait un tome 2 qui possède un point de vue alterné entre Liam et Cléa, puisque le premier tome était uniquement centré sur le personnage de Liam et uniquement rédigé de son point de vue, donc c'était lui le narrateur. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait Cléa comme narratrice, et je dois dire que c'est pas que ça m'a déçue, mais c'est un personnage que j'apprécie un petit peu moins que Liam, et j'ai été un peu, oui c'est vrai, désappointée que Liam soit finalement un peu plus en retrait. Moi, ce que j'apprécie énormément dans cette histoire, c'est qu'on a donc une intrigue principale, donc en l'occurrence l'agression de Cléa il y a quelques années, mais dans cette intrigue vont venir se greffer plein de petites mini-intrigues, et on va avoir quelques mystères comme ça qui vont être levés, concernant notamment certaines subtilités qui entourent le manoir, et ça, croyez-moi que c'est quelque chose qui est très très plaisant. On va avoir certaines révélations concernant plusieurs résidents du manoir. Il va y avoir également d'autres figures qui vont faire leur apparition ici, donc de nouveaux résidents qui viennent rejoindre un petit peu le casting. Et ça aussi, j'aime bien le fait que ça tourne. Il y a des personnages qui viennent, qui repartent et puis de nouveau qui arrivent, donc ça instaure une certaine dynamique dans l'histoire qui fait en sorte qu'on ne s'ennuie vraiment pas. Là où j'ai peut-être été un poil déçue aussi, et ce qui vient expliquer et justifier le fait que j'ai mis un 3 sur 5 et pas un 4 sur 5 à cette lecture, c'est le fait que l'aspect historique qui était très présent dans le premier tome et qui est l'un des aspects de cette série que j'apprécie le plus est légèrement en retrait. Il est présent, mais il n'est pas aussi présent que ce que j'aurais pu espérer, et j'espère vivement qu'il le sera davantage dans le tome 3. Quoi qu'il en soit, je me suis quand même amusée, bien divertie en compagnie de ce livre, et c'est vraiment une saga où les maîtres mots sont mystère, surnaturel, fantastique et historique. Donc si vous aimez tous ces ingrédients, je pense que vous serez assez conquis par cette histoire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des 4 livres que je vous ai présentés aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !